Bonjour. Alors, nous sommes le mardi 12 octobre. Je suis réveillée depuis 4 heures de mat par une douleur atroce de l'épaule. Impossible de redormir. Du coup, je suis descendue. Bon, du coup, j'ai fait ma soupe. Ma soupe à la jambette. J'ai mis une batte en route et j'ai pendu du linge. Hop. Comme ça m'a fait passer le temps. Là, il est 5h48. Je dis, allez, je vais faire le petit jeu. Le tirage au sort de mon petit jeu de l'année. Alors, j'ai bien rigolé avec l'année qu'on m'a donnée. Donc, je vais commencer par la première carte que j'ai reçue. Je vais vous remontrer en même temps. C'est de Cathy 33, alors, qui m'avait envoyé cette jolie carte. Comme vous pouvez voir, la numéro 1. Alors, Cathy m'avait donné l'année 1965. Alors, comme vous pouvez le voir, je ne triche pas, elle a marqué 1965. 56 ans. Je suis assez contente, 56 ans. Mais malheureusement, tu as perdu, Cathy. Désolée pour toi. Alors, je vais faire la numéro 2. La numéro 2, c'est l'univers de Tinou. Alors, qui m'avait envoyé une jolie carte aussi. Alors, Tinou a béni l'année 62. Je suis contente de dire que tu as gagné, Tinou. C'est bien l'année 62. Je te mets de côté. La numéro 3, c'est de Brigitte, l'atelier de Brigitte. Alors, Brigitte avait mis 1966. Désolée, Brigitte. La numéro 4, c'est Tassou. Tassou a béni 1956. Désolée, Tassou, t'as perdu. Alors, Brigitte m'avait donné 55, Tassou 65 ans. Ce n'est pas grave, c'est simplement le jeu. Je bois mon petite goutte de café. Alors, Sandrine P. Alors, Sandrine P, mais je sais que ce n'est pas facile. Elle m'avait mis une superbe carte avec un merci aussi. Alors, Sandrine avait mis... Désolée. Désolée si je t'ai vieilli beaucoup. Alors, Sandrine P. Oui, Sandrine P m'a donné 70 ans. Tu avais marqué l'année 1951. Voilà. J'ai rigolé avec ton petit message. Désolée, tu as perdu. Hop. Alors, la numéro 6, c'est l'univers de Scrap. L'univers Scrap en avait donné l'année 1965. Donc, elle m'avait donné 56 ans. Et Sandrine P, 70 ans. Ah oui, quand on ne voit pas le visage, c'est trompeur. Surtout quand on dit qu'on a des petits-enfants. Alors, Agnès Chollet. Ah oui, j'avais mis le petit ticket comme ça pour pas... Voilà, elle m'a mis 1962.
Donc, Agnès, tu as gagné. Alors, je mets là. Je vais prendre une petite coupe de café. Ensuite, numéro 8, c'est Nathalie M. Alors, bon, ça va Nathalie M, tu t'es pas trompée, tu t'es trompée d'un an, mais regarde, tu avais mis, il est où, là, 1961. Hop. Désolée, mais tu as perdu. La numéro 9, c'est Sabella Fantasy. Alors, Sabella Fantasy m'avait mis 1960. Comme tu peux voir, tu as perdu. Mais je ne suis pas la jumelle à Laurence. Alors, Isabella avait mis, j'avais 61 ans. Alors, numéro 10. La numéro 10, c'est Marie-Thérèse Rouge. Marie-Thérèse Rouge avait mis 1957. Donc, elle m'avait donné 64 ans. Mais je n'ai pas montré les cartes, je n'ai pas refait voir. Alors, hop, ça c'est la 8, c'est Nathalie. Je ne sais plus si j'ai montré la 6. Non, c'est Florence, l'univers scrap. Alors, Florence m'avait fait cette jolie carte. La 7, elle est où la 7? Ah oui, 7, 8. Non, c'est la 8. La 8, c'est Nathalie qui m'avait fait cette jolie carte. 1. Là, c'est Sabella. Elle m'avait fait cette jolie carte. Alors, ici, c'est Marie-Thérèse Rouge. Oui, je viens de le montrer, 1957. Alors, Marie-Thérèse Rouge m'avait donné 64 ans. Comme tu peux voir, tu as perdu, Marie-Thérèse. Elle m'avait fait cette magnifique carte aussi. Hop. Alors, on arrive au numéro 11. Numéro 11, c'est... Sandrine, les Cendrillons Scrap. Alors, les Cendrillons Scrap, elle m'avait mis l'année 44 ans. Ils sont loin, mais 44 ans. Tu avais mis le, en plus, elle a mis le 12 juin 1977. Comme tu peux voir, tu as perdu Nathalie. Les Sandrine, non, je vais voir quel prénom là. Excuse-moi. Sandrine, pardon. Comme tu peux voir, Sandrine, tu as perdu malgré ta jolie carte. Hop. Alors, la numéro 12. La numéro 12, c'est Anne-Claire. Alors, Anne-Claire, elle me l'a mis sur un courrier. Par contre, là, elle a mis mon âge, 59. Je muche parce qu'il y a son adresse mail. Voilà, tu as gagné, Anne-Claire. Je suis bien, j'ai bien 59 ans. Te mets ici.
Alors, c'est le numéro 13. Alors, numéro 13, c'est la jolie carte de Marie-Jo, Marie-Josée. Marie-Josée m'a donné l'âge de 61 ans. Alors, elle me l'avait marqué là. Non, ici. 61 ans. Hop. Comme tu peux voir, tu as perdu, pardon. Alors, numéro 14, c'est James Crap. Alors, James Crap, c'est pareil. On m'avait fait une jolie carte. Et j'ai rigolé aussi, parce qu'elle m'a mis la date complète. Tu n'es pas loin, James. Tu m'as marqué la date de ton anniversaire, c'est le 3 octobre 62. J'espère que je ne me suis pas trompée. Non, tu ne t'es pas trompée. C'est bien octobre 1962, mais c'est le 2 et pas le 3. Alors, je vais vous le montrer. Voilà. Elle a marqué là, la date. Alors, hop. Donc, tu as gagné, Jane. Hop. Alors, 14 cases. La 15e, c'est Scrap de Poussinette. Alors, Scrap de Poussinette m'avait mis 1952, 69 ans. Alors, je vais te montrer. Je vais montrer l'année. Hop. Bon, le reste, c'est pas grave. Il n'y a rien de... Hop, voilà. Ici. Voilà. Désolée, tu as perdu. J'avais mis cette jolie carte. Hop. Il y a aussi Lise. Lise qui m'avait fait un très joli cœur avec de la dentelle. Et elle avait marqué Marie-Pierre née en 1963. Comme d'autres, tu t'es pas trompé de beaucoup. Ah, ben non, mais ça, c'est pas trop grave. Alors, je vais le montrer. Hop. Alors. Comme vous pouvez voir, on avait marqué Marie-Pierre, née en 1963. Désolée, mais tu as perdu, Lise. Hop. Et la dernière. C'est Stéphanie C qui m'a envoyé une magnifique... Ah non, c'est pas la dernière. Désolée, excusez-moi. Qui m'avait envoyé une magnifique carte avec des biches. Alors, elle m'avait marqué mon année de naissance. Elle avait marqué 1962. Eh bien non, tu n'as pas été maladroite parce que tu as vraiment trouvé mon année de naissance ici, 1962. Voilà. Alors, tu as gagné aussi. Hop, je la mets là. Alors, ça me fait une, deux, trois... 4 et 5. Et la dernière, c'est Foxy Lady Créa. Tu n'étais pas loin non plus, Corinne. Voilà, tu avais mis
1961. M'avait mis sur cette sur ce petit tag. Voilà. Alors, les gagnantes sont Jem, Jen Scrap, Agnès Chollet, l'univers de Tinou, l'univers de Tinou, on va ressortir le papier. Anne-Claire et Stéphanie. Alors, j'avais dit j'allais faire deux ou trois lots, mais comme les cinq personnes ont gagné, je vous fais un petit lot, un petit remerciement à toutes les cinq. Je vous enverrai une petite carte pour vous remercier. Ben, j'enverrai une carte de remerciement à tout le monde. Et vous aurez toutes les cinq, chacun un petit truc. Je ne vous dis pas parce que, désolé, avec tout ce qui s'est passé, je n'ai pas eu le temps de préparer. J'ai les cadeaux, j'ai les lots, mais il faut que je prépare tous les lots. Parce que j'ai le lot pour ce petit jeu-là, j'ai le lot pour mon concours, j'ai le lot pour les petits, pour les enfants. Et j'ai parce que les enfants ne perdront pas. Ils auront tous une petite récompense et le gagnant aura un lot. Voilà. En tout cas, je vous remercie tous. Alors, voilà ma tête du matin. J'espère pas trop vous effrayer quand même. Alors, hop. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à mon petit jeu. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.